Donc, La White Rabbit, ça c'est le best-seller de la brasserie. Alors, comment on est arrivé à faire une blanche donc à la base, la blanche était pas trop mon truc. Comme je suis le brasseur, et ben, je brasse ce que je veux. Mais petit à petit, on a eu de la demande, plus en plus de demandes. Alors, on s'est dit, quitte à faire un truc, on va le faire bien. On a brassé une blanche convenable comme il faut. On a laissé mûrir ça dans le fermenteur. Donc, c'était il y a maintenant un an et demi, deux ans. Et ben, le résultat, c'était une blanche classique. Alors, comme on a récupéré un bon gros sac de Simcoe qui vient également de la vallée de Yakima, et ben, on s'est dit, on va la booster un petit peu, donc ça fait que notre blanche est devenue plus proche d'une American Wheat Ale qu'une blanche classique. Donc on a quasiment 3 à 4 grammes de Simcoe par litre de bière, ce qui n'est pas négligeable, sachant que sur une bonne IPA qu'on va trouver aux États-Unis, on est sur ces rendements là. Par contre, on a un peu moins d'amertume que dans une IPA, on est sur quelque chose à 20-25 IBU. Principalement apporté par du Triskel et Bouclier, c'est deux nouveaux blonds de la Copoudal. Notre producteur alsacien, donc on fait un peu de local et un petit peu d'exotique. On n'a pas de velléité particulière à aller voir plus loin du moment qu'ils ont des bons produits à proposer.